Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer dans le fond mon journal de grossesse. Je voulais le commencer avant, mais là, vu que j'ai eu des saignements au début, puis tout ça, puis la fatigue, etc., ben, je l'ai pas fait. Mais là, je suis rendue à 17 semaines lundi, donc je pensais qu'il commençait à être temps là, de faire une petite vidéo de journal de grossesse. Donc, comme je dis, je suis rendue à 17 semaines lundi. Dans le fond, depuis le début de ma grossesse, les signes, les symptômes que j'ai eus les plus fatigants, ben c'est le nausée. J'ai dû aller me chercher des médicaments qui s'appellent Diclectin. Pour la première fois dans toutes mes grossesses, là, ça c'est ma quatrième grossesse, puis pour la première fois, ben j'ai dû prendre ça. Puis j'ai essayé à plusieurs fois, là, dans le fond, de les arrêter. De les diminuer et de les arrêter, mais je suis vraiment pas prête encore. Fait que c'est ça, je dois prendre deux comprimés avant de me coucher le soir, puis ça va faire effet pour toute la journée le lendemain. Quand j'ai essayé d'arrêter, ben là je coupais à une par soir. Ça allait bien les deux premiers jours, puis après ça, ça allait plus bien. Donc là je demandais à ma sage-femme, tu sais, qu'est-ce pourquoi que ça fait ça puis tout ça. Puis elle m'a dit, ben c'est parce que pendant les deux jours que ça va bien, c'est que t'as encore une grosse quantité dans ton sang, donc ça, dans ton sang, ouais, dans ton sang, dans ton système. Fait que dans le fond, une fois que cette quantité-là est disparue, ben là, tu n'as besoin de plus, sauf que vu que t'en as pas pris plus, ben t'as des nausées. Fait que là, elle m'a dit d'attendre un mois pour réessayer d'arrêter. Fait que là, à ce moment-là, je vais être rendue à peu près à 20 semaines peut-être, là, quand je vais faire mon prochain ma prochaine tentative. Sinon, ben j'ai eu la fatigue extrême là au début. Je commence, dans le fond, ça doit faire peut-être 3 semaines là, que j'ai arrêté de faire des siestes l'après-midi. Encore là, habituellement, je devais faire une sieste à peu près à tous les jours, tandis que maintenant, ben je dois faire une sieste peut-être une journée sur trois, là. Comme aujourd'hui, là, je viens d'en faire une, c'est pour ça que je suis bien, bien belle, là, présentement. Fait que, c'est ça, je fais une sieste l'après-midi pendant que mes filles dorment. Puis sinon, ben le soir, là, je réussis à me coucher plus tard, mais avant 9h, c'était fini, là. C'était mon deadline. Moi, fallait vraiment que je me couche, j'étais vraiment trop brûlée. Fait qu'il y a ça. Mis à part ces deux symptômes-là, je peux pas dire que... Ben, au début, j'ai eu des maux de ventre, là, parce que la digestion, elle change. La digestion, dans le fond, elle se fait moins rapidement pour être certaine de... d'absorber tous les nutriments, donc il y a eu ça qui m'a peut-être plus dérangé que les autres fois, je dirais, parce que c'était un petit peu plus intense, là, tu sais, je sentais vraiment que mes intestins travaillaient tout le temps, j'étais bien fatiguée. Sinon, ben manger plus, ça a toujours été, sauf que je me suis jamais réveillée la nuit à 2h du matin puis dire « Hey, là, faut que je mange parce que sinon j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes ou que je vais être malade, tu sais. » Tandis que cette fois-ci, ça m'arrive, et quand même assez fréquemment, là, je vous dirais peut-être 2 fois par semaine. Fait qu'il y a ça aussi qui est différent. Avant, c'était vraiment dans la journée là, que j'avais faim, tu sais, ou bien avant de me coucher, là, mettons vers 10-11h. Mais jamais je me suis réveillée parce que j'avais faim. Fait que c'est ça pour ça. À cette grossesse-ci, j'ai commencé, ben dans le fond, je suis partie de 8 livres en dessous de mon poids normal, dû à l'allaitement de ma deuxième. J'ai vraiment, vraiment perdu beaucoup de poids, mais dans le fond, c'était avant de tomber enceinte, là. Fait que, c'est ça. Puis là, je suis rendue déjà à, attends un petit peu, faudrait que je calcule. Je suis déjà rendue à 17 livres de prix. Yay! Fait que c'est ça.
Je m'attends à prendre entre 45 et 50 livres. Ma première, j'ai pris 50. Ma deuxième, j'ai pris 42. Mais là, vu que je partais en dessous de mon poids normal, ben je me dis que 45-50, ça devrait être pas si mal. Puis moi, ça me dérange pas prendre ce poids-là. J'en ai besoin parce qu'après, vu que j'allaite, je sais que mon gras va tout aller dans mon lait puis que le bébé, il en a besoin de ce gras-là. Donc moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. La seule chose qui peut me déranger, c'est les vergetures. Mais jusqu'à maintenant, j'en ai eu. Mais j'en ai eu sur les hanches, sur les fesses et sur les seins. Puis ça apparaît pas vraiment. C'est pas comme, justement, là, sur le ventre, là. Puis ils sont pas gros, c'est des tout petites, mais j'en ai des milliers, là. Excusez. Là, ma petite, elle vient de se réveiller. Fait que je vais couper la vidéo quand même plus rapidement que je pensais. Mais tout ça pour dire que, globalement, là, pour l'instant, c'est ça qui en est avec ma grossesse. Sinon, j'ai ma prochaine échographie qui est le 25 octobre. Et puis, ça, c'est l'échographie de morphologie. Et puis, moi et mon conjoint, on a décidé de ne pas demander le sexe. Donc, pour la première fois, on veut pas le savoir. Ma plus vieille, on l'avait pas su parce qu'elle avait les jambes croisées avec le cordon entre les deux jambes. Puis à ma deuxième, on avait su que c'était une fille, mais là, on veut pas savoir. Fait que ça va être une surprise vraiment jusqu'à la toute fin. Fait que c'est ça pour mon journal de grossesse de 16-17 semaines. Fait que je vais essayer d'en faire peut-être au mois environ. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez des questions sur ma grossesse, ben n'hésitez pas. Demandez-moi. Bonne journée, filles. Bye!